que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau PR Unboxing de chez Prozis. J'ai des magnifiques produits à vous montrer parmi ceux que j'ai choisis, étant donné que je collabore avec la marque. En tout premier, nous avons ici des galettes de riz, toutes simples. Et je les ai pris pour tester en fait avec un autre produit que je vais vous montrer tout de suite. C'est celui-ci en fait, c'est le même produit que j'avais pris la toute première fois, le beurre de cacahuète avec du collagène. Je l'ai terriblement, terriblement aimé. Il est très onctueux, il est très doux dans la bouche. Vous n'avez pas cet aspect un petit peu que vous avez des fois dans la bouche, sur le palais, une sensation très bizarre. Non, avec celui-ci, il n'y a rien du tout. En plus, c'est tip top, il contient du collagène, donc ce qui est très très bon pour tout ce qui est cheveux, peau, ongles, etc. Et en fait, j'ai voulu tester avec justement les galettes de riz. J'en ai testé une hier et c'était tellement délicieux. J'ai également ici, en guise de boisson, une infusion au Coca-Cola. Il y a des divers goûts différents. Moi, j'avais envie de tester au Coca-Cola. Et en fait, vous avez 8 sachets à l'intérieur et chaque sachet, je vais y arriver, vous pouvez mettre dans 1,5 litre, voire 4 litres ou 4,5 litres, je ne sais plus. Et en fait, ça dépend si vous voulez que ça soit plus concentré ou moins concentré. Et c'était assez nostalgique pour moi parce que le goût, c'était exactement le goût des glaces à l'eau au Coca. C'est pareil, l'odeur, le goût, c'est exactement pareil. Et puis bah voilà quoi, il contient de la vitamine C, sans sucre, etc. Donc c'est top si vous voulez pas forcément boire tout le temps de l'eau et que vous voulez des fois différencier. Alors voilà. Comme à chaque fois, je me prends ces petites choses pour faire au petit déjeuner. Et c'est tout simplement de l'avoine en poudre en fait. Et vous pouvez ajouter par après, une fois que vous chauffez au micro-ondes, des fruits, graines de chia, des céréales sans sucre, muesli, peu importe ce que vous voulez. Et cette fois-ci, j'ai pris à la pomme et cannelle pour goûter. Pour le moment, entre celui que j'avais testé au chocolat et l'autre à la vanille, mon préféré, ça reste le chocolat. On va maintenant, en plus c'est l'automne, donc ça tombe bien, celui à la pomme et à la cannelle. De toute façon, je vous en dirai un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Pour accompagner ceci, j'ai choisi des muesli chocolat caramel et c'est délicieux. L'emballage est déjà ouvert parce que j'ai voulu le tester ce matin avec un yogourt nature et c'était franchement délicieux. Il est riche en fibres en fait et voilà, c'est des muesli protéinés. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai voulu tester ce dessert, c'est de la panna cotta à la framboise bleue. La panna cotta, j'ai goûté, mais vous savez, les toutes classiques, blanches, avec de la fraise ou de la framboise dessus, je ne sais plus. Et j'avais envie de tester celle-ci. Regardez l'emballage, comme il est énorme. Et voilà, j'ai hâte de faire. En plus, le fait que ça soit bleu, je trouvais que... En fait, je voulais tester plus par la couleur, parce que le goût, je suis quasi sûre d'aimer. J'ai jamais goûté la framboise bleue. Mais voilà, de toute façon, encore une fois, je montrerai sur les réseaux sociaux, peut-être même dans TikTok ou sur YouTube, je sais pas exactement quand. Mais voilà, je vous montrerai le résultat des préparations que j'ai choisies. Donc ça, c'est vraiment rapide et facile à réaliser. C'est à bas taux de sucre, très très bas taux de sucre. Et en plus, c'est encore une fois protéiné. J'ai voulu me prendre ça, protéiné encore une fois. Et cette fois-ci, zéro sucre. Des pancakes, j'ai choisi le goût basique, vanille, tout simplement. Et voilà, j'ai hâte de tester ça. En tout dernier, nous avons de la pâte à pizza. Très simple à réaliser. Il faut juste rajouter de l'eau, attendre un petit peu. Et après, bah, vous pouvez cuisiner. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Celle-ci, elle est également riche en fibres. C'est pas de la pâte à pizza standard. La pâte à pizza, elle est au goût de jambon fromage. Donc après, c'est tip top si vous voulez ajouter juste des petites tomates, mozzarella. Enfin, faire vraiment quelque chose de très très simple. Ou au contraire, hein, rajouter plus de fromage et le jambon. C'est vraiment à votre guise. Tout est expliqué à chaque fois en plusieurs langues. Comment est-ce que vous réalisez? C'est super facile. En tout cas, sachez que ça fait déjà 3 mois que je collabore avec eux, que je suis en train de tester tous leurs produits. Et franchement, il y en a peut-être... Alors ouais, pour le moment, avec tous les produits que j'ai déjà testés de chez eux, il y a un seul produit qui est passé moyennement parce que j'avais tout simplement pas l'habitude de manger ceci. Mais encore une fois, je ferai une vidéo pour expliquer vraiment tout ce que j'ai pris et mon avis personnel. Mais sinon, autrement, tous les autres produits, ils sont vraiment top, top, top. À bas calories,
bateau de sucre ou même sans sucre. Encore une fois, très facile à réaliser. Pour les personnes comme moi qui sont en perte de poids, mais une perte de poids, vous savez, voilà, j'aimerais vraiment aller tout doucement pour pas en fait avoir cette espèce de yo-yo, parce que j'ai déjà testé énormément de régimes et j'ai vu que au bout de quelques mois, soit je restais stagnée et j'arrivais plus à maigrir, ou j'ai aussi eu des effets yo-yo où je reprenais un peu plus, je perdais, enfin bref, de toute façon j'arrivais pas à perdre plus que ce que je voulais. Tandis que avec ces produits là, en mangeant bien équilibré, en faisant un peu de sport quand même, bah c'est vrai que moi et le sport, ça fait deux, hein, ça fait pas uno, ça fait dos. Donc voilà, j'essaie vraiment d'y aller petit à petit et je trouve que bah ça paye les efforts, tout simplement. Si ça vous intéresse, ne serait-ce que de guigner pour voir qu'est-ce qu'ils proposent comme produit, comme vous savez, ils ont de la nourriture, ils ont des trainings, des baskets en fait, ils ont aussi des choses bah, pour faire du sport, ils ont pas mal de choses aussi en cosmétique, donc des crèmes, des huiles pour le corps, tout ça. Ils ont également des machines, des appareils, ils ont même aussi le fryer, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il est franchement, il est pas mal, il est vraiment top, j'aurais bien voulu le tester, mais voilà, ils ont vraiment une très très grande gamme de choses. N'hésitez pas à regarder juste ici en dessous dans ma barre d'infos, vous trouverez le lien direct pour aller pour accéder en fait à tout ce que vous voulez, tout simplement, et comme ça vous jetez un coup d'œil. Pour le moment, je n'ai pas encore fait de commande chez eux, mais je pense que d'ici quelques jours, je vais guigner un petit peu ce qu'ils ont en plus que je n'ai pas commandé pour tout simplement tester, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré leurs produits. Vous savez, j'ai hésité plusieurs fois à tester de plusieurs marques différentes, des marques comme ça, protéinées et tout. Et en fait, je les connaissais déjà, j'avais jamais commandé chez eux. Et quand ils m'ont proposé de collaborer avec eux, j'ai tout de suite dit oui. Et je suis vraiment 3 000 000% satisfaite. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. J'ai parlé un peu vite à force de dire toujours la même chose à la fin. Je pense qu'il faudrait que je différencie, non? Enfin bref, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!